Donc, je m'appelle Vincent Soupli, j'ai 27 ans et en 2017, je suis victime d'un accident de la route alors que j'étais sur mon premier contrat en CDI. À ce moment-là, je me fais licencier pour inaptitude professionnelle et on m'explique que ma vie d'avant est terminée. Je rencontre plusieurs médecins qui me disent que ça va être compliqué de retrouver un emploi. Je me retrouve à errer dans le monde professionnel pendant 2 années et une rencontre avec un éducateur spécialisé a fait que il m'a dit que je ferais un bon médiateur et du coup, j'ai fait le choix de m'orienter vers ce métier. J'ai obtenu mon titre de médiateur et je me suis vite retrouvé en manque d'accompagnement. Donc j'ai voulu poursuivre mon projet professionnel pour devenir CIP. Et pendant ce contrat, j'ai été accompagné par un CIP justement qui m'a dit que APF France Handicap cherchait un téléopérateur. J'ai eu mon entretien chez APF France Handicap. Et j'ai commencé en tant que téléopérateur sur un contrat CDD tremplin dans lequel j'ai bénéficié d'un accompagnement socio-professionnel. Et pendant cet accompagnement, j'ai exposé mon choix de projet professionnel de devenir CIP. Et il s'est trouvé qu'APF France Handicap avait un besoin d'un CIP sur la structure de l'UDRE. Et du coup, j'ai pris ce poste. J'ai demandé à être formé, d'avoir une formation qualifiante, donc un apprentissage. Et je viens d'obtenir mon titre et je suis officiellement CIP.